Et bien voilà qui est parti pour ce critérium des 5 ans avec au centre de l'écran Thiago Détan qui ne part pas le plus vite. Le plus vite c'est Thomas Lévesque avec un fils de Jacques de Belloué, c'est Titan d'Ocagne qui a pris la direction d'épreuve. Timoko est parti sur la bonne jambe également et vient à pleine piste avec Tornado Bello qui vient plutôt à l'extérieur. Nous avons abordé l'intersection des pistes avec Titan d'Ocagne, numéro 2. Au commandement, deuxième position, The Best Madrid qui se rapproche déjà et Christophe Partens va tenter de prendre la tête en début de parcours. Pas loin se retrouve Tintin des Coups vent dedans et Timoko, le champion de Richard Westering qui se rapproche à l'extérieur, Tango Somoli le suit. Où se retrouvent les autres favoris? Thiago Détan est parti doucement, il n'était qu'une course d'attente aujourd'hui, Thiago Détan avec Christian Mijon. On passe devant les tribunes avec The Best Madrid et Christophe Partens au commandement pour Jean-Étienne Dubois. En deuxième position, Timoko qui se rapproche à l'extérieur, Tango Somoli. Pas loin se retrouve Ciao de Loiron. Ciao de Loiron, c'est la toque jaune qui est quatrième actuellement. On passe devant les tribunes, on est à 2100 mètres de l'arrivée, sous la conduite de Timoko comme à ses plus beaux jours. Tango Somoli étonnant en deuxième. The Best Madrid qui a décidé de prendre le dos de Timoko. À l'extérieur, c'est Tornado Bello qui ramène dans son sillage Tagwood. Tagwood et Pierre Vertruis. Pierre Vertruis qui a perdu Titan de Cagne dans cette épreuve pour Tagwood à l'extérieur. Au dernier rang se retrouve Tammy Quant. On est assez attardé tout de même avec Thiago Détan. On attend également avec la jument Tornado Pia. Bas de la descente. C'est la conduite de Tagwood qui est venu aux côtés de Timoko. Timoko numéro 13 en tête, Tagwood numéro 8 en deuxième position. C'est The Best Madrid que le 12 qui est troisième, ce fils de Cocktail Jet calé en dedans avec sa casaque bleu pâle. Bel effort à l'extérieur du numéro 11 Tango Quick, Franck Leblanc qui se rapproche à son tour. On est à 1400 mètres de l'arrivée sous la conduite de Timoko qui a toujours la course en main. En deuxième position, Tagwood à son extérieur, le rouge. La troisième place pour Tornado Bello. On a beaucoup de fils de Jacques de Belloué dans le groupe de tête puisqu'on a Tornado Bello et Tagwood qui sont là. Et puis calé à la corde en 6-7e position, un autre Jacques de Belloué, c'est Titan d'Ocagne. On attaque comme ça les 1200 derniers mètres, toujours sous la conduite de Timoko, le numéro 13. Alors qu'on essaye de faire mouvement à l'extérieur avec Tango Quick, le 11 de Franck Leblanc. Chao de Waron, le piège se referme un petit peu. Non, il vient dans le dos, en fin de compte, de Tango Quick. Alors qu'à l'arrière, Thiago Détan est toujours dernier, en position de contre, c'est certain. Que va-t-il faire, Christian Bijon? Pour l'instant, il suit Tornado Pia et Chao de Waron, mais loin des deux premiers, Timoko et Tagwood. Timoko, Tagwood, à 700 mètres de l'arrivée, en troisième position, Tornado Bello. Accrochage, Tango Quick a accroché Thiago Détan qui perd. Toute chance, malheureusement, incident. Et Chao de Waron est très malheureux également. Phase finale avec Tagwood qui se met au galop à son tour. Et c'est Timoko qui a pris la direction des preuves. Numéro 13, Timoko, Richard Westering attaqué par Christophe Partens. Christophe Partens qui l'a suivi depuis le départ avec The Best Madrid. Ça peut être formidable pour The Best Madrid avec une monte volante à la Christophe Soumillon. C'est Christophe Partens qui a pris les commandes de The Best Madrid. The Best Madrid à l'extérieur en deuxième position, Timoko. La troisième place pour Tintin découvre. Et un autre cheval, Titan d'Ocagne et Thomas Lévesque qui se rapproche très vite. À la Christophe Soumillon. Une monte volante, une monte de dernier moment. Et The Best Madrid, Christophe Martens s'est fait pour Jean-Étienne Dubois. Timoko attaqué long de la corde, attaqué par qui? Par Tintin Découvre qui va causer une énorme surprise. Tintin Découvre est deuxième. The Best Madrid en route vers l'Amérique. Tintin Découvre deuxième, Timoko troisième. La quatrième place, loin des premiers, me semble-t-il, pour Tagwood. The Best Madrid, lauréat du critérium des jeunes, lauréat du critérium des 5 ans aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes, drivé au pied levé par Christophe Martens qui a parfaitement drivé le cheval de cri de Jean-Étienne Dubois. Il n'a fait aucune erreur, il a pris le dos de Timoko qui l'a emmené très loin. Il a pu aller jusqu'au bout très facilement. The Best Madrid, le numéro 12 qui s'impose devant le 5 Tintin Découvre et Timoko qui conserve la troisième place dans un critérium qui restera marqué par cet incident. Messieurs, dans la montée, on a perdu quelques chevaux en vue. Il y a eu un accrochage. On a perdu Thiago Détan, Chao Doiron, Tornado Pia, tous gênés par Tango Quick. Bah oui, Tango Quick a fait la faute, il a tiré un petit peu en dehors, Chao Doiron était dans son dos et malheureusement c'est au moment où Thiago Détan venait en dehors et Christian Bijon a appelé Franck Leblanc, mais malheureusement ça a été tellement rapide que Christian a pris la roue. Ils auraient pu tomber tous les deux, ils ne sont pas tombés, mais c'est quand même très dommage dans une course comme ce critérium des 5 ans de perdre sur un incident de course. Toujours est-il que The Best Madrid fait un super truc parce que 12-7 la réduction kilométrique 3000 mètres, c'est déjà exceptionnel. Il a été obligé de faire un gros effort dans le premier tournant pour venir prendre la tête, puisque Christophe voulait absolument prendre le dos de Timoko. Tout le monde voulait prendre le dos de Timoko. Tout le monde savait qu'il allait venir devant.
Et dans le dernier tournant, il a fallu qu'il sorte même un peu plus tôt que prévu.